Salut, salut la famille, je suis tombé sur une vidéo comme quoi Model Passinga, la cousine de Diane Lama, dit comme quoi on l'accuse sur les réseaux sociaux qu'elle n'a pas dit mes félicitations à Diane Lama. Elle dit que vous ne connaissez même pas ce qui se passe. Oui, elle dit que même le mari de Diane Lama, elle a vu ça que sur les réseaux sociaux, alors qu'à la d'autres ils étaient ensemble. Même le modèle, tout, elle lui a écrit le mais elle ne sait pas à la DM, lui, ce qui s'est passé. Oui, tout ça, les commentaires, surtout les fans. Quand vous dites que n'entrez pas dans les familles des gens, vos histoires que vous avez pour habitude, quand les gens font leurs choses, vous partez mettre en commentaire, c'est comme ça. Les histoires qu'on dit que les fiancés passent, c'est partout. Hein. Que oh, la famille paternelle, moi je dis tout, les histoires toutes les familles paternelles, ça tourne toujours. Hein, ça, toujours que dans toutes les familles, quand tu vas toujours entendre qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas bien dans la famille, là, c'est toujours du côté de la famille paternelle. Tu entends toujours que beaucoup les enfants ils s'attachent beaucoup plus du côté maternel que du côté paternel. Mais elle, Model Passinga, là, quand dit comme quoi, apparemment, elle voulait qu'il aime Diane Lama, carrément qu'elle ne sait pas. Si c'est dans si c'est un journal ou c'est en soirée, elle dit que là où c'est là de sa vie, elle a vu Diane une seule fois. Et comment on peut dire aujourd'hui qu'elle est là qu'il a sauf si c'est Diane qui est le problème, qu'on se dise la vérité, mes gens, oui. Puis après tout ce que j'ai écouté là, oui, quand la fille là parle, ça te donne la chair de poule. Elle te dit qu'elle parle, elle pleure. Et j'ai vu les Takam, les Joy, tous ces gens-là. On est parti de les forces là-bas. C'est pour dire que les Takam sont en train de soutenir Model Passinga. Donc, eux tous là, ils ont tourné le dos à Diane Lama. Ça signifie comment ils sont à bout de parler. Tout le monde ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un comme ça. Même ta propre cousine, ça signifie que c'est Diane Lama qui est le problème. Elle est le genre de personne qui me dit toujours que quand peut-être une villageoise arrive en ville, la République est en danger. C'est ça qui est ça, oui. Parce que tu ne peux pas me dire comme quoi. Tu pars à ta dos. Ta cousine est là, elle t'aide à faire si elle vend même les pagnes. Elle dit que c'est elle qui a vendu tous les pagnes de la dot. Elle dit que même 5 francs, Diane Lama ne lui est pas donné. Même l'eau glacée, Diane Lama ne lui est pas donné. Puis alors le jus, avec tout ce qu'elle a fait là. Oui, c'est son merci comme ça. Que c'est son merci comme ça. Que même là, le mariage de Diane Lama, tout ça, elle a vu quoi, sur les réseaux sociaux. Et qu'elle qui a posté, pas ce soir. Oui, elle dit que c'est un passé, elle voulait jamais connaître. Elle a eu l'information comme quoi, Diane Lama va se marier le 30. Elle a dit que, ah. Elle aussi dit qu'elle aussi, sauf que vous avant d'accepter. Et entre-temps, elle dit que quand elle a appris ça, elle partait chaque fois écrire à Diane Lama. Diane Lama répondait comme s'il n'y avait rien. Elle dit qu'à la veille donc que Diane Lama va se marier, pour pas se voir poster encore l'histoire du mariage là qu'elle entend sur de jeune fille. Elle dit qu'elle est partie là-bas. Elle a vu aussi les statues. Elle est partie répondre. Elle dit qu'à la veille du mariage, Diane Lama n'a plus jamais répondu à ses messages. Rien. Elle dit que c'est depuis, elle dit que c'est rien que hier là. Que après le mariage, que Diane Lama a même vu tous les messages qu'elle lui laissait. Elle dit que même le jour du mariage encore, elle est partie, elle dit que ma cousine, que mes félicitations. Elle dit que tous les messages qu'elle envoyait, depuis le premier jour qu'on a dit où c'est enterrement de jeune fille, Diane Lama n'a jamais lu ses messages. Même le jour même qu'elle s'est mariée, Diane Lama n'a jamais lu ses messages. Même après le mariage, quand Diane Lama a ouvert même ça, ses machins de messages. Diane Lama a lu, Diane Lama a fait vu et ignoré. J'ai dit à ma famille. C'est qu'il n'y a pas un problème. Et dans tout ça, qui est aussi derrière le monsieur, ce soi-disant, son mari là. Parce que souvent qu'il y a les hommes aussi. Quand vous entrez dans les familles des gens, soit tu mets la paix, soit ne fais pas chercher à gâter. Parce que apparemment, tout ce qui se dit aussi est aussi le nom du monsieur à l'intérieur. Comme quoi, ou Model Passinga lui a envoyé des messages au mari de Diane Lama. Qu'il doit faire très attention à elle. Mais malheureusement. Voilà ça aujourd'hui. Que, et même l'histoire qu'on parlait de Aïssa Tou, tous les gens qu'on laissait sur la toile, elle dit comme quoi, Diane Lama n'a jamais parlé, même levé le doigt. Et apparemment, quand elle a parlé comme ça, comme on taquait ou c'est Aïssa Tou, le mari de Diane Lama est venu lui dire que tu sais quoi, tu ne réponds à personne. Elle dit que elle-même qui est sa cousine, toutes les attaques qu'elle a sur les réseaux sociaux, elle est mariée, sa belle famille regarde tout ça. Son travail est menacé. Tous les gens qui font que lui traiter, comment elle est méchante, elle dit que. Vous me traitez les méchants, vous savez ce qui se passe derrière. C'est ce que je dis aux gens que quand vous voyez quelqu'un, peut-être comme il faut le dire là, ne venez pas souvent peut-être mettre les commentaires. Peut-être vous ne connaissez même pas ni le début ni la fin. Une autre personne connaît. Pourquoi? Parce qu'elle part peut-être patrouiller, elle voit tout ce qui se passe. D'autres font comme ça, après ils suppriment. Alors que la personne a déjà vu. Oui. Elle dit carrément que, avec tout le lynchage qu'elle a reçu sur la toile, Diane Lama n'a jamais fait un post pour dire que, ouais, laissez ma cousine comme ça. Vous dites qu'elle ne m'a pas soutenu mes félicitations. Elle m'a souhaité mes félicitations à Nimbok. Elle aussi, sa copine a commencé à faire aussi comme elle. Oui, elle n'est pas allée faire le poste. Parce qu'on est dans la vie, elle se donnant donné. Elle n'est pas allée faire le poste pour dire mes félicitations, Diane Lama. Elle dit que c'est comme si elle grattait quelque chose derrière. Elle peut dire pourquoi. Parce que même son propre travail, elle n'a jamais fait quelque chose. Diane Lama aussi est venue. Comment est-ce que depuis que Diane Lama n'a jamais commenté l'un de ses postes? Jamais.
quand elle voit quelque chose qui est bien qu'elle fait, elle veut aussi commenter à Nimbok. Si la fille aussi a commencé à voir que, ah, peut-être Diana m'a voir que si elle vient commenter sur son post, elle va un peu peut-être lui donner aussi quelques abonnés. Mais elle aussi comment faire pareil, que ça ne sert à rien que peut-être chaque fois, je vois que je viens commenter sur tes pages. Mais toi, tu n'es jamais venu, tu n'es jamais venu commenter sur mes pages. Et en tout ça, les femmes viennent lui rappeler comme quoi, tu es là depuis dans le cinéma avant Diana m'a voir ta cousine qui est venue hier. Elle te travaille, je dis à mes gens. La vie, c'est la concurrence. Nos cerveaux sont pareils. C'est ce qu'elle dit toujours aux gens que, même si l'autre, c'est comme ça que vous, c'est vous qui poussez certaines personnes, certaines femmes-là, à entrer même dans les mauvaises choses. Mm-hmm. Il y a certaines personnes qui marchent dans les pages des gens, ils partent tisser la haine. Oui. Ils partent taper les deux côtés. C'est ce qu'ils ont fait toujours avec Muriel Blanche et Poupi. Oui. Et Marcel Gauthier. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Muriel Blanche et Aimé Dany Basson. Pourquoi? Parce que c'est toujours l'esprit de concurrence que, oh, telle personne fait mieux que l'autre. Oui. Donc, si c'était une autre personne, comment quelqu'un peut faire sa chose? Si chaque personne, nous, nous ne sommes pas pareils. Oui. Si Dieu, le temps de tel modèle passé n'est pas encore arrivé, c'est qu'il y a un jour, ça peut aussi, peut-être sa peau aussi va décoller. Les gens peuvent te rappeler en commentaire que tu es là depuis, avant ta cousine, avant ta maman. Là, voilà qui est venu te traverser les gens. Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Et entre temps, la bonne dame était elle. Chez nous, sur Tata Doudou, elle voyait tout ce qui s'est passé aux réseaux sociaux, elle naguait, elle disait, okay, pardon. Tout ce que tu fais là, moi, il te dit, elle met, bah, massa. On peut faire ça. On peut faire ça. Hmm? Même si tu te maries, non, maman. Oui. Le mariage, des fois, ça finit, mais la famille reste. Oui. La famille reste. La fille, elle ne sait pas. Si c'est elle, qui devait qu'il aime Djanamo, ou alors c'est une autre cousine, parce qu'ils sont quand même deux qui s'entendent bien, et à l'autre qui s'entendent trop bien avec Djanamo. Elle dit que mais dans tout ça, Diana n'a jamais. On peut dire que jamais, dit que non. Vous pensez que quoi, mes gens? Si tous les jours je viens, je commande tes postes, quand je dis la vérité, moi je fais ma part, tu n'es jamais venu mettre quelque chose sur ça. Mm-hmm. Quand je commence à voir que maman, peut-être c'est la visibilité, ou je pense que tu es aussi arrivé à l'Europe, c'est ça qui te monte sur la tête, non. Mieux aussi, quand elle voit aussi quelque chose maintenant, je viens te commenter en inbox. En inbox même, tu m'ignores. Tu fais vu ignorer. Vous pensez que je vais continuer? Non. Si aujourd'hui, modèle Passinga, les gens ont fait la remarque comme quoi elle est partie souhaiter joyeux anniversaire à Fidel Ngono. C'est parce que Fidel Ngono aussi, quand Fidel Ngono on voit quelque part, elle part, elle commente ces choses. Oui. C'est vice versa. Tu ne peux pas peut-être faire mon poste. Tu ne commentes jamais les postes. Le jour que tu fais taper, il vient commenter pourquoi? Si je l'ai fait constamment, je vais me les mettre aux yeux du monde comme mes félicitations. Hmm? Vous savez ce qui se dit derrière? Non. Quand je dis souvent, je m'amène à l'écrit là-bas, elle ne répond pas. Donc c'est encore là qu'elle est venue me souiller. Non. La fille a tapé, c'est qu'elle ne peut pas. Que je prends le côté là, non. Non. Mieux être prêt aussi, comment aussi à prendre ses distances ou non. C'est pas peut-être parce que là, je pense qu'elle est arrivée en Europe, qu'elle pense qu'elle est à toi arriver. Mieux, hein, maman. Si c'est comme ça, me baigne là, non. Que quand les gens arrivent, fais même ça avec les amis, et les beaux Takamo, et les beaux gens, même moi, ta cousine. Que même s'il y aura quoi, un jour, la terre ne se limite pas là. On va toujours se retrouver un jour au village. C'est qui compte. Quand il y aura quelque chose, parce que quelque chose aujourd'hui arrive à l'un des membres de ta famille, Djanama, c'est qui est sûr. Ta cousine là sera là-bas au d'elle. Vous allez vous croiser là-bas. Donc ne pense pas que la vie se limite là. On ne souhaite pas. Même si quelque chose arrive aujourd'hui à ta mère, qui est là-bas en Europe aujourd'hui, oui. Ce qui est sûr et certain, on ne va pas quand même, si c'est que ta mère va te vivre là-bas en Europe avec toi. Ne me dis pas quand même que si aujourd'hui quelque chose arrive, tu vas l'enterrer en Europe. Non! C'est au village et ta cousine, parce que modèle, parce qu'Ingala sera là. Oui. Qu'on se dise la vérité, mes gens. Que les gens qui sont en train d'accepter, supporter la bêtise là. Sachez donc que ça signifie que même si on va beau dire, ça signifie que c'est Djanama elle-même le problème. Parce que vous ne pouvez pas me dire que sauf si aussi la fille a fait la comédienne. Parce que quand une bonne comédienne reste toujours une bonne comédienne. Parce que je ne peux aussi voir, si je vois les Takam, les Joyce, les Fidel Ngono, tous ces gens du groupe, là, parce que la soutenir, ça signifie que la personne qui a un mauvais caractère, là, ça doit être Djanama. Qu'on ne se trompe pas. Oui. Parce que quand Takam dit qu'il s'est séparé de Djanama dans leur groupe, ça signifie qu'il y a un problème. C'était avant qu'elle rencontre son soi-disant mari, là, ou avant. Oui. Selon la peut-être qu'Edou doit lui récupérer. Mm-hmm. Elle a commencé à faire elle-même ses propres choses et Edou doit la récupérer. Ça signifie que peut-être même là où ils étaient ensemble, peut-être elle cherchait peut-être à cogner les têtes des autres. Et Takam a dit que non. Et Modèle Passé, le gars là, était déjà depuis avec Takam. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Pourquoi Takam n'est plus avec l'autre? Ça signifie que, déjà donc, Takam a constaté que non.
Tu n'as pas peut-être venu rencontrer, trouver peut-être mon groupe, tu cherches peut-être à gâter. Mm-hmm. Parce qu'il faut souvent, il faudrait qu'on se dise des vérités. Il y a certaines personnes que vous les voyez comme ça. Vous les voyez comme les anges. Mais au fond, c'est la magie. Au fond, ce sont réellement les mauvaises personnes. Fille, mon Dieu, quand elle pleurait, ça m'a vraiment fait mal. Jusqu'à où c'est la comédie, où c'est qu'elle est en train de dire vrai. Vous-même, vous avez écouté comme moi. Parce que la chose que j'entends partout là, c'est toujours, je vais toujours insister, les fans, apprenez à arrêter vos choses quand vous voyez. Et surtout, quand on dit que c'est la famille, pardon, ne pétez pas sur les mettre vos commentaires que oh, tu es une mauvaise personne, oh, tu n'as pas souhaité mes félicitations à ta soeur, oh, tu es jalouse, de, oh, tu n'as pas fait les posts. Je dis, elle devait continuer à se rabaisser jusqu'à quand? Encore sa petite soeur. Elle-même, elle a dit, elle devait continuer toujours ça jusqu'à quand? Elle devait faire toujours les courbettes là, jusqu'à quand? En plus, sa petite soeur. C'est pourquoi? Parce que quelqu'un est entré en Europe. Hein? Parce qu'elle est arrivée en Europe. L'Europe n'est pas le paradis. Il y a aussi les gens qui souffrent en Europe. Mm-hmm. Il y a des gens qui vivent mieux au Cameroun qu'en Europe. Oui. C'est pas peut-être parce que le SMIC est élevé en Europe. Si tu ne travailles pas, le SMIC sera élevé. Ça ne sera pas élevé. Même soi-disant, quand elle est sûre, même que le jour du mariage, Diana m'a dit qu'elle-même, sa vie ne dort pas trop. C'est juste seulement que certaines personnes sont complexées avec l'histoire de l'Europe, là, tout ça, c'est rien. Oui. En Europe, il y a aussi vos propres frères camerounais qui souffrent là-bas, comme ici au Cameroun. La seule différence, c'est qu'ils sont au pays des Blancs. C'est tout. Il y en a qui sont là-bas qui souffrent, qui ont même besoin de rentrer. Mais il n'y a pas moyen. D'autres ont honte que s'ils rentrent. On va se moquer de que donc, depuis que tu es en Europe là. Tu as fait quoi? Quand il entend donc qu'il est en Europe, certains de ses amis ailleurs, ils ont là payé un terrain conçu. Lui-même, il n'a pas un terrain, une terre quelque part. Hmm? Vous pensez que quoi? Donc vous avez souvent tendance que oh, l'Europe machin. C'est fait ses vidéos. Chaque personne a sa chance. Et chaque personne fait toujours ses choses à son niveau. Un jour, Dieu aussi va l'élever. C'est ce qui est sûr, c'est ça. Dans un moment donné, il ne faut pas souvent peut-être chercher toujours à cogner les têtes des gens, des uns et des autres. Oui. Quand cette fille pleurait, mon Dieu, jusqu'à preuve du contraire, ça m'a fait mal. Oui. Que donc, à cause de la visibilité, parce que tu vois que tu es là, peut-être quand tu as assez de vues que ta soeur, ou tu fais les posts, tu as beaucoup de gens, tu commences à l'ignorer. On peut faire ça à un membre de sa famille. Tu peux faire ça avec tes oncles, tes tantes. Parce qu'il faut toujours, parce que quand elle a du côté paternel, et vu que Diana m'a dit du côté paternel, oui, on n'a jamais aimé sa mère. Sauf si c'est toujours dans la famille. Hein. Parce qu'on dit, ça tourne souvent comme ça, tous les jours, dans la famille, on dit que, wow, dans la famille de ton père, comme ça, là, wow, c'est monté, t'es fait méfier toi et tes cousines, là, ils font semblant. C'est qui est sûr, c'est ça. Sauf si elle est peut-être partie voir Alain Mimbou. Alain Mimbou a dit que méfie-toi de modèle Pasinga. Parce que là où c'est là, elle ne t'aime pas. Ce qu'elle fait avec toi, c'est l'hypocrisie. Peut-être comme. Parce qu'il y a aussi les marabouts qui sont arrivés comment. Les Alain Mimbou là qui collent les têtes des gens, les familles des gens. Que comme tu sais que tu es venu là, tu l'as trouvé dans le cinéma. Et quand vraiment tu progresses là, ça ne lui plaît pas trop. C'est le travail des Alain Mimbou. Mm-hmm. Toujours cogner la tête des familles. Mais de fausse, c'est vrai. Mais là-bas, les choses, là, je ne veux pas mettre ma bouche dedans. Tout ce que Edouard m'a dit, c'est que Janama, tu as intérêt à sortir. Oui. Soit ton soi-disant mari. Même quand, souvent, quand une femme est mariée, elle écoute uniquement son mari. Là, on ne refuse pas. Oui, c'est lui ton Dieu sur terre. Parce qu'il a, il t'a fait venir en Europe. Il a fait venir ta mère. C'est là beaucoup. Parce qu'il fait que peut-être, c'est pas peut-être ton propre enfant. Peut-être ton enfant est là-bas. Mm-hmm. Ça dit beaucoup. Donc, Janama, avec tout ce qu'on entend là, essaye de faire une sortie et prouve aux yeux que non, tu es une grande personne. Donc, ton silence en dit déjà de trop. Donc, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo.